Moi, je suis issu de la cuisine classique, mais ce que j'aime apporter, c'est un petit twist. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est utiliser des techniques qui rallongent un petit peu le piano. On a toujours été habitué à avoir un piano avec un certain nombre de touches, comme ferait un musicien. Et par la jonction de techniques, soudainement, on nous a rajouté plusieurs touches avec lesquelles on peut jouer. J'ai voyagé et travaillé partout dans le monde. Que ce soit à Londres, à San Francisco, à Hong Kong, à Paris, à Tokyo. En fait, cette succession de chocs culturels nous a menés à forcer notre nature et on a été obligé à chaque fois de s'adapter à notre environnement. Et au fur et à mesure, c'est devenu un peu notre marque de fabrique vraiment. On est arrivé à Anvers par hasard, parce que mon meilleur ami vendait son restaurant. Ma femme est arrivée dans le restaurant et on est tombé amoureux du lieu. Et du coup, on a repris l'entreprise d'hommes et d'hommes sur mer et on est venu s'installer à Anvers. En fait, Hong Kong, c'était très facile d'avoir des ingrédients, ce qui est assez paradoxal par rapport à ici, puisque aujourd'hui, je pourrais utiliser tous les produits que je veux. Mais en même temps, on a choisi de changer les règles du jeu. C'est maintenant le fermier qui nous dicte comment on doit travailler. La façon dont on travaille avec Hall, ça nous pousse tous les jours à réfléchir différemment notre cuisine et on est obligé de se challenger un petit peu tout le temps parce que on travaille avec des ingrédients que quelque part ils nous imposent. L'hospitalité, c'est là où le talent de ma femme rentre en jeu. Puisque de son expérience et de sa culture aussi asiatique, puisque l'hospitalité est très importante et très développée en Asie, on a réussi à faire rentrer ça dans le restaurant pour nos clients. Les étoiles Michelin, c'est en fait la reconnaissance internationale de notre travail. C'est ça qui nous guide, c'est ça qui nous pousse tous les jours. Mais le vrai moteur, c'est la passion. Et c'est celle qui nous amène encore plus loin dans le futur.